Salut tout le monde, c'est Vanhack et aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de The Legend of Zelda A Link to the Past. 7ème épisode qui concernera donc le palais des marais, me semble-t-il, et donc j'ai décidé de le faire dans l'ordre. Voilà. Donc, quand on arrive devant le palais, on se dit c'est bon, je rentre. Mais non. Si on rentre, voilà ce qu'on retrouve. Un palais vide. Enfin, vide. Non, mais on peut accéder à rien. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On part dans le monde de lumière. On récupère ça déjà. Voilà, 2-3 bombes, ça fait pas de mal. Et on va donc tirer ce levier. Voilà, voilà. Ce qui aura pour but de libérer de l'eau. Donc comme vous pouvez le voir, ça remplit le fond, même ici. Et ça aura pour but de me faire chier pour aller récupérer le machin. Ouais. Ah, mais pourquoi il veut pas se retourner, il m'énerve. Allez, ta gueule toi. Mais c'est bon, oui. Hop, voilà. Donc déjà dehors, on peut voir que ça a séché. Mais ce qu'on pourra constater également, c'est qu'à l'intérieur, on va enfin pouvoir démarrer le palais. Et oui, 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 oui. Par contre, petite chose. Pour faire ce palais, récupérer les palmes d'abord. Il me semble avoir expliqué comment on faisait dans un autre épisode. Je l'ai pas fait devant vous, mais il me semble avoir expliqué comment on les récupérait. Elles coûtent bonbon, hein. Je sais plus combien de centaines de rupies, mais c'est tout au nord-est. Faut aller le chercher vers un homme poisson. Je sais plus les noms, vers les auras, voilà. Il me semble qu'il s'appelle déjà comme ça dans celui-là. Et il ne vous les donne pas, il vous les fait payer. Évidemment. Ce serait trop simple sinon. Ah, ça passe à travers ça. Zut. Bon, j'espère que ça va mieux se passer que l'autre d'avant. Il me semble qu'il est beaucoup moins labyrinthique que l'autre. Après, je peux me tromper également.
Mais ça va aller là les gars, je voulais peut-être que je vous donne un coup de main, je peux me suicider aussi, ça ira plus vite. Hein. Bah oui, il tourne là, évidemment. Au moment où je passe, en plus. Ah, mais mettre ça, ça me fait... Ce machin là, c'est pas possible. Pour ça. Je vais crever là. J'ai plus de fées. Oh bordel.
appeler. Ah punaise, de punaise, de punaise. C'est pas possible. Il y en a pas une qui cloche de cœur. Hein. Ces gouttes d'eau là. Point cœur, hein. Non, bah non. C'est trop demandé, hein. Mais il me fait machin de boule de feu là. Ouais, ça va déjà aller mieux. Allez, équipe-le. Ah, j'ai pas lâché, évidemment. Bon sang. Bon sang, c'est pas vrai. Ah, mais c'est pas possible. Comment je peux être aussi nul? Allez, avance. Bon, on y retourne. Mais ça... Ça te suit en plus cette saloperie. Hein. Non seulement ça te fait un mal de chien, mais en plus ça te suit. Hein.
fallait pas être de l'autre côté. Mais c'est pas possible qu'il fasse aussi mal en plus, j'arrive pas à comprendre là. Allez, sors de là parce que ça me saoule là. Punaise! Bien, je sais même pas où je peux récupérer des fées. J'aurais dû pouvoir en récupérer avant, mais c'est pas, je sais pas où. Je me rappelle plus du jeu. Mais ta gueule toi. C'est qu'elles me suivent en plus ces machines oranges là. Oh la vache, c'est pas passé loin. Dégage, toi, tu me fais chier. Pas un cœur. Hein. Oh bah non, mais tu vas me dire que je peux pas l'attaquer depuis là. Non, mais c'est... Et viens par là. Viens gauche, là. Voilà. Ah bon sang, mais allez, avancez, purée. Oh.
Ah bah non, parce que là j'ai pas de fée, hein. Ça va pas le faire. Ah, ça va pas le faire là, les gars. Faut que je revienne jusqu'ici. Faut que je revienne jusqu'ici. C'est pas bon être un mauvais joueur, moi je vous le dis. Mais pourquoi il ne tape pas? Je suis dessus déjà pourtant. Bon, je vais refaire le trajet tout seul parce que ça va vous énerver, puis moi ça m'énerve aussi. Alors on se retrouve à tout de suite. Allez, espérons que ce soit la bonne fois cette fois. Ça commence bien. Des fois ça m'attaque et des fois pas, j'ai pas compris. Pourquoi des fois il me fait perdre de la vie puis des fois non, mais je comprends rien à ce jeu. Non, on peut
faut pas le toucher comme ça. Bon, attendez, peut-être. Oui, d'accord, ça met déjà deux pompes pour tirer, c'est déjà bien. Bien ce que je dis, hein, son hitbox ça est vachement. Vachement space. Hein. Des fois ça le touche, des fois ça le touche pas, faut comprendre, là, franchement. D'accord. Ah, ça le touche. Alors, mais s'il repart à l'envers à chaque fois, forcément, ça va pas le faire. Bon, j'ai plus de flèches, super. Ah, toi, ça va pas toucher, par exemple. Ah oui. Alors, visiblement, comme j'ai une épée de merde, faut 50 milliards de coups. Ok. Ah bah, dis donc. Ah bah dis donc. Grâce à toi, je peux m'échapper des griffes des monstres diaboliques. Merci. La Triforce exauce les vœux de celui qui la touche toute sa vie durant. C'est la raison pour laquelle elle était cachée dans la Terre d'Or. Seuls quelques élus connaissaient son emplacement. Mais à un moment, cette connaissance se perdit. C'est un bandit de grand chemin nommé Ganondorf qui redécouvrit la Terre d'Or. Par chance, il n'a pas trouvé moyen de revenir au monde de la lumière. N'oublie pas que tu as le miroir magique dont seul le héros peut tirer parti. Il y a d'autres points téléporteurs magiques comme celui que tu as vu sur la montagne de la mort. En les utilisant, tu peux passer d'un monde à l'autre et trouver des démons cachés dans les mondes, dans le monde des ténèbres. Tu es le seul qui puisse détruire Ganondorf, le bandit. Non, Ganon, le roi diabolique des ténèbres. Non, j'ai pas compris, non. Bien. Bon, eh bien, c'est sur ça qu'on va se quitter, hein, sur cette splendide démonstration de mon incompétence au jeu, une fois de plus, quoi. Allez, sur ce, je vous dis ciao, à bientôt pour la suite, salut tout le monde.